Mes chers compatriotes, demain 4 avril 2024, nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À toutes et à tous, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations. Je rends hommage à chacune et à chacun de vous pour votre attachement aux vertus cardinales de paix et de démocratie qui fondent notre vertu quotidienne. Les changements significatifs que nous venons de vivre de façon paisible témoignent une fois de plus de la maturité de notre peuple, de la vitalité de notre démocratie et de la force de nos institutions. Nous devons tous être fiers de cette belle performance. Cette année encore, par la grâce divine, notre fête nationale se déroule sous le signe de la communion spirituelle avec la semaine sainte pascale qui vient de conclure le carême, le mois de Ramadan qui tire également à sa fin. Cette année encore, par la grâce divine, notre fête nationale se déroule sous le signe de la communion spirituelle avec la semaine sainte pascale qui vient de conclure le carême, le mois de Ramadan qui tire également à sa fin. Compte tenu des circonstances, en lieu et place du défilé traditionnel, je présiderai demain, au Palais de la République, une cérémonie de levée des couleurs sobre et symbolique. Ce soir, alors que nous célébrons notre liberté retrouvée, mes pensées vont à nos vaillants résistants, héros célèbres ou méconnus, qui, se donnant corps et âme, ont défié l'odieux système colonial et sa prétendue mission civilisatrice pour défendre la liberté de notre peuple et ses valeurs de culture et de civilisation. Je voudrais également saluer avec respect et affection nos anciens combattants qui ont sacrifié leur jeunesse loin de leur famille au prix de leur liberté et de leur vie. Je rends un vibrant hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, qui, chacun, a apporté sa pierre à l'œuvre de construction nationale. C'est sur la base de ce legs que je veux poursuivre avec vous notre quête collective du Sénégal de nos rêves. Mes chers compatriotes, la fête nationale met à l'honneur nos forces de défense et de sécurité. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, qui avez choisi le métier risqué des armes, je réaffirme la reconnaissance de la nation. Je vous exprime ma fierté, mon soutien et mon entière confiance dans vos missions au service de la patrie, de la paix en Afrique et dans le monde. Je salue la mémoire de nos djambars tombés au champ d'honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'État restera toujours solidaire de leurs familles avec soin et compassion. Le thème de cette édition, les forces armées au cœur de la cohésion nationale, nous interpelle par son actualité et sa pertinence. Il nous rappelle qu'au-delà du cérémonial, la fête nationale est surtout l'occasion d'une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie commune. Nos forces de défense et de sécurité, sous le concept armée-nation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socioculturelles, nous offrent un bel exemple de ce que doit être le vivre ensemble sénégalais. En tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale, je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble, hérité de nos ancêtres, parce que nous n'avons qu'une seule patrie, le Sénégal, notre abri commun, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous et ne finit pas avec nous. Dans cet esprit, mon rôle, et je l'assume pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste uni et indivisible, en paix, en harmonie avec notre devise nationale, un peuple, un but, une foi.
Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons aux générations futures. C'est pourquoi notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogéniser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. Mes chers compatriotes, de l'indépendance à nos jours, notre système politico-institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties, les unes plus heureuses que les autres. 64 ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains. C'est pourquoi, après avoir démissionné de mon poste de secrétaire général de PASTEF Les Patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur la réforme du système électoral notamment, le remplacement de la CNA par une commission électorale nationale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement, l'inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d'identité. Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solutions aux problèmes de la justice. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. De même, l'exploitation de nos ressources naturelles, qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITE, à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Au demeurant, je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu'ils sont les bienvenus au Sénégal. Conformément aux lois
et règlements en vigueur, les droits de l'investisseur seront toujours protégés, de même que les intérêts de l'État et des populations. À nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous. Nous veillerons sans cesse à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissantes au sein de nos organisations communautaires, notamment la CEDEAO et l'UEMO. Héritier de l'idéal panafricaniste de Cheikh Anta Diop et de Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, nous demeurons fermement engagés dans la construction de l'intégration africaine et la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d'égale dignité pour nous. À tous, nous devons respect et considération. Et de tous, nous demandons respect et considération. Nous resterons engagés pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, dans le respect de l'égale dignité des valeurs, de culture et de civilisation. Mes chers compatriotes, la fête nationale, symbole de notre souveraineté, nous rappelle que nous sommes seuls face à notre destin et que personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes. Nous avons la responsabilité historique de conforter notre souveraineté en rompant les chaînes de la dépendance économique par le culte permanent du travail et du résultat. Dans cet esprit, l'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'État. Dans cet objectif, j'entends investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires. En définitive, mes chers compatriotes, l'indépendance que nous célébrons demain est certes un événement festif, mais aussi et surtout un test de résilience et de grandeur pour la nation. Notre mérite et notre honneur, c'est de réussir l'épreuve en affichant une confiance résolue en nous-mêmes pour vaincre nos peurs et nos doutes, surmonter les obstacles devant nous et poursuivre ensemble notre marche solidaire vers notre destin commun, main dans la main, épaule contre épaule. C'est à cela que je vous invite dans la communion des cœurs et des esprits. Vive le Sénégal en paix et en sécurité, uni, libre et prospère. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance.